se retrouve pour l'avant-dernier épisode sur American Truck 2, en tout cas pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de nouveautés, on va dire. Parce que pour l'instant, en gros, il n'y a rien depuis un an. À part l'Arizona, on n'a rien vu de nouveau. Hein. Donc, on va... je pense qu'après, on va s'arrêter là pendant un long moment, en fait. Jusqu'à qu'il y ait du nouveau sur ce jeu. Donc, voilà. Donc, tac, on va aller... livrer cette livraison à l'avant-dernière ville qu'on n'a pas visitée aux États-Unis. Ouais, si, moi il en reste une ou deux que j'ai pas visité dans tout dans toute le pays au final pour l'instant de ce qui est disponible dans le pays des États-Unis. Sinon ouais en gros il m'en reste plus qu'une ou deux. Tac tac, donc on est reparti. Hop. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, dans le dernier épisode, j'ai eu un petit pépin, si vous l'avez pas vu. Donc, en gros, j'avais un problème, en fait, avec ma pédale d'embrayage. Il était coincé en fait j'arrivais pas à la mettre à fond parce que mon 4% heureusement j'ai pas mon en gros j'arrivais pas à le mettre à fond car en gros je tape bien. Merci mon petit... Merci de me griller la prio. Même si je l'ai pas, j'essaye de me l'incruste. Ouais, parce que dans le jeu, en fait, si tu t'incrustes pas, tu n'as jamais de place. Et c'est un peu de partout pareil. Il n'y a pas que dans le jeu, hein. Dans la vérité aussi. Si tu veux une place, faut essayer de te la faire. Et c'est tout. Dans toute ta vie, ça sera comme ça. Donc, hein. Faut t'y habituer. Donc hop, voilà, on va quitter Phoenix. Y aller moi. Hop, alors on y va. Tac tac. Donc ça sert à me dire j'ai grillé le feu alors que je ne l'ai pas grillé. En fait aux États-Unis le truc, d'après ce que j'ai compris, quand on tourne en fait à droite et que le feu qui est à droite est vert, on peut tourner en fait, voilà. C'est ce que je viens de faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette fin va vous plaire. Les deux, trois, l'avant-dernier épisode qui reste, ça serait plutôt pas mal s'il se passait bien.
Oh là là. C'est vrai que sur cet American Truck, j'arrive à faire des épisodes plutôt courts. De un ou deux épisodes, donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je dis, connerie, moi. J'arrive à faire des épisodes assez courts de 10-20 minutes. Je pense que j'ai dû dire un ou deux épisodes, mais ça va rien dire. Donc ouais, j'espère quand même que cette vidéo vous plaît. Après, c'est vrai que je pense que... D'accord, non. Parce qu'en fait, le micro que j'avais avant était bien aussi, mais maintenant, ça doit être encore mieux qu'avant, normalement. Peut-être le son de ma voix est un petit peu trop fort du peu que j'ai pu voir. Parce que, en gros, j'ai regardé un peu les vidéos que j'ai faites, vu que je les ai toutes faites en même temps, à peu près. Les unes à la suite des autres. Donc, voilà, j'en profite quand je peux utiliser mon volant. Hop. Et donc, voilà. Quand on peut utiliser son volant, on le fait. Et 4 heures, c'est cool. C'est l'heure du goûter. Je sais pas si pour vous il est 4 heures aussi. Donc là il nous reste 90 km avant la fin de la vidéo. Et après on se retrouvera pour la dernière bien sûr. Je sais pas si je vais pouvoir le dépasser ou pas. Donc là je pense que ça doit être vraiment très très fluide. Autant pour vous que pour moi. Moi je le trouve très fluide le jeu là. À 60 fps les gars. C'est bon. Je pense que c'est pas souvent en fait que j'arrive à faire des jeux aussi bien aussi bien en fait. Avec une aussi bonne voix et tout. C'est pas souvent, hein. Pas souvent du tout même. Pour même pas dire jamais. Tac, allez hop, on va y arriver. On va doubler le camion et après je pense qu'on va se rabattre. Parce qu'on va pas tarder à devoir s'arrêter. Donc il va falloir se mettre à la limitation de vitesse. D'ailleurs c'est étonnant qu'on n'ait pas pris d'amende encore. Hein. Ça m'étonne franchement. Puis aussi un truc qui m'énerve en vrai, hein, pas dans le jeu, même si c'est un peu le cas dans le jeu, que... Impossible, impossible. Qu'en gros... Comment vous dire ça? En fait, il y a des gens... Y aller, amende, merci bâtard. Vous voyez, je l'appelle par un nom de pain. Que en fait, il y a des gens comme ça en fait qui quand
avant d'entrer dans les voies d'insertion, freine. En fait, en gros, par exemple, tu es sur l'autoroute, mais tu freines avant l'autoroute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais moi, c'est sur ce principe-là que j'aime pas. Les gens, en fait, qui freinent avant de rentrer dans la voie de sortie, on va dire. Non, j'ai pas envie de me casser la tête pour celle-là. Hein. Voilà, hop. Donc, tac, tac, on est arrivé. Et hop. Je pense que si je me débrouille bien au prochain niveau, à la prochaine mission, en gros, j'aurai fini. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Donc, on va se retrouver pour la dernière vidéo. Pour l'instant, en tout cas. Tant qu'il n'y a pas de contenu qui arrive, j'en ferai pas. Déjà pour commencer. Et s'il y a du contenu qui arrive, et si j'ai la possibilité d'avoir mon volant, d'utiliser mon volant, je ferai une vidéo. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Donc je vois pas pourquoi je continuerai. Voilà. Donc, moi, j'ai été quand même assez content de faire des vidéos sur ce jeu. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Ciao, ciao! Someone is out there that we truly trust. There is a rainbow for you and me. A beautiful sunrise eternally. God is a girl, wherever you are.